Bonjour. <laughs> Bonjour à tous et bienvenue euh, pour cette première sur la chaîne YouTube Muse by Lumesca. Alors, en fait, aujourd'hui, on, on inaugure un peu cette chaîne YouTube, on a un, un petit concept. On va euh, voir ensemble pendant une bonne heure et demie euh, un concept, un shooting avec un concept. On va partir du fait qu'aujourd'hui, on va faire des photos euh, d'artistes et je vais vous montrer moi. Donc, euh, je suis Loris Romano. Pour ceux qui ne connaissent pas, et je pense qu'il y en a beaucoup, euh, on va voir comment, euh, dans ma pratique à moi, je shooterai un, un artiste dans deux situations totalement différentes. Donc, le but euh, vraiment de, de ce workshop, c'est vraiment de vous montrer ma façon de travailler et de vous montrer comment, avec euh, plus ou moins de matériel, et on insiste vraiment sur le plus ou moins de matériel, on va pouvoir créer un univers euh, pour un artiste dans deux situations très distinctes. On va voir dans un premier temps. Euh, comment faire des photos, ce que j'ai envie de dire en toutes circonstances. Euh, je vais voir quelqu'un euh, dans une salle de concert euh, à une interview radio et je veux faire des photos promo, je veux faire des photos euh, assez vite et assez cool. Ça, ce sera dans un premier temps. Et ensuite, on verra une version un peu plus énervée au niveau du, du lighting, enfin de l'éclairage, où on verra comment en studio euh, utiliser les couleurs, utiliser euh, du matériel photo pour... Euh, bah, sublimer un artiste et, euh, et comment donner vie en fait à des photos dans un studio qui est un fond gris. J'ai choisi un fond gris pour deux raisons. La première parce que c'est très monotone et je voulais vous montrer euh, ce qu'on peut faire avec un fond qui est aussi monotone. Ce fond gris, euh, ça peut être un mur, ça, ça peut être n'importe quel fond finalement. Et aussi pour une autre raison qu'on verra plus tard quand on parlera des gélatines. Avant de commencer, euh, j'avais déjà envie de remercier euh, l'Umesca qui, qui me donne l'opportunité de vous parler aujourd'hui. Parce que pour moi, quelque part, c'est un petit peu un honneur de, de m'exprimer face à vous. Ça, ça me fait plaisir. Euh, et évidemment, on a aussi trois marques qui sont partenaires de, de cet événement et qu'on va utiliser euh, tout au long de cet événement. Cet événement, on a euh, la marque BenQ avec des écrans qui sont sur, sur mon côté. On a également la marque x rite on verra ensemble justement comment calibrer un écran, mais ça ce sera plus tard, je vais en reparler tout de suite. Et on a la marque ProPhoto qui nous permet d'éclairer tout ce, toutes ces photos. Et on va voir comment, du coup, dans plusieurs environnements, faire des photos très différentes avec plus ou moins de matériel. Je vais me lever et on va commencer sans plus attendre. On va donc commencer comme je le disais, euh, on imagine que je suis, euh, comme disent les américains, on location, <laughs> avec mon accent de Moselle. On va imaginer que je vais voir un artiste. Ça peut être à la radio, ça peut être chez lui, ça peut être dans une salle de concert et euh, on me dit bah tiens, il faut des photos presse, il faut, il faut des photos promo, est-ce que tu peux faire quelque chose Donc on va partir sur un set très 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 transportable avec ce type de flash. Donc ça c'est vraiment, euh, on va partir sur du photo A10, euh, c'est vraiment du flash qui peut tenir dans un sac à dos euh, et qui peut vraiment faire euh, de grandes choses. C'est un flash qui a une tête de flash Cobra mais qui, euh, mais qui finalement euh, s'apparente plutôt à un flash de studio, on va voir ça ensemble. Et donc dans un premier temps, on va voir comment faire simple euh, et efficace. Je veux des belles photos promo, euh, ce que j'appelle des photos presse de quelqu'un, j'ai pas de place, euh, j'ai pas beaucoup de matériel sur moi et j'ai pas de temps. C'est quelque chose, mais on veut des photos belles et simples. On va parler d'un truc, je vais mettre le pied directement dedans. <laughs> on va parler de deux choses qui, je sais, font couler beaucoup d'encre numérique sur les internets. On va parler de flashmètre parce que je sais qu'à chaque formation, euh, on me demande si je l'utilise ou pas. On verra que oui, mais pas tout le temps pour ma part. Et j'en profite euh, tout de suite pour dire que ce que je vous présente aujourd'hui, euh, c'est ma vision. Euh, du, du travail, c'est ma vision de la photo. Vous avez entièrement le droit de ne pas être d'accord avec moi, et ça, je l'accepte grandement. Euh, et enfin, très important, j'ai une super équipe avec moi. J'ai Maël que vous allez voir dans quelques instants, j'ai Hervé qui est là en train de parler avec vous sur le chat, et j'ai Gary qui est en train de changer les caméras quand je vais bouger frénétiquement. Si vous avez des questions, euh, posez dans le chat, et euh, si c'est une question qui est vraiment en rapport avec ce que je suis en train de faire, on y répond tout de suite. Pourquoi tu mets l'éclairage là pour voilà. Et si c'est des questions plus générales, on se fera une session euh, question réponses à la fin euh, pour ne pas euh, bah, trop couper euh, le live. Par contre, si c'est une question qui a vraiment rapport avec ce qu'on est en train de faire au moment précis, n'hésitez pas à la poser. Puis Hervé me la retranscrit euh, sur un retour vidéo que j'ai là. Euh, flashmètre, donc j'en parlais. À quoi ça sert On va, on va en parler très rapidement. C'est quelque chose qui sert à mesurer la lumière. Euh, et qui me permet du coup d'être sûr d'avoir une bonne expo. Et donc globalement, bah, quand j'ai pas beaucoup de temps, c'est un truc qui m'ont fait gagner un peu, euh, c'est un truc qui me garantit d'avoir un fichier euh, bien exposé. On va voir tout de suite comment ça marche. On va donc partir avec Maëlle, qui va me rejoindre. On va enlever ça, parce que quand elle se met assise là-dessus, elle ne fait que tourner. <laughs> On a vu ça tout à l'heure. Et donc, euh, je suis... Hop, euh, change pas de cam pour le moment, t'embête pas. Je suis donc euh, sur un endroit, Maëlle est une artiste, euh, je veux faire quelques photos que j'appellerais presse des portraits simples, studio, euh, fonds unis. Comment, comment je ferai Eh bien donc, il y a un truc qui marche très fort, que j'aime beaucoup. On va prendre un pied. Hop là. Je vais prendre ça. Et donc en fait, je vais prendre ce petit flash, le Hadis. donc encore une fois c'est un truc qui tient vraiment dans la poche, je vais me servir de ça pour faire une rotule ce qui est très très malin et il y a une gamme de modeleurs avec qui j'ai bossé il fut un temps, et on a fait des euh, on a fait des belles choses, tant qu'on pouvait encore faire des workshops, on avait été au salon de la, euh, de la photo à Paris avec, on avait fait des très belles choses il y a une gamme de modeleurs qui sont en fait des modeleurs très transportables et qui sont euh, quasiment plats, hop c'est ces modelers-là, qui sont des modelers Rogue de la marque Expo Imaging, et en fait qui s'adaptent à tout type euh, de flash euh, typé Cobra, donc euh, sur les Pro mais sur n'importe quelle autre marque aussi, parce qu'en fait c'est un système de scratch. Je vais faire face à la caméra, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que t'en penses, C'est un système de scratch, voilà, qu'on peut mettre sur n'importe quelle tête. Et ça, en fait, ça va me permettre d'adoucir la lumière et d'avoir une sorte de boîte à lumière. Et. Euh, et du fait que ça tienne dans un sac, c'est quand même vachement pratique. Moi, je le mets dans le, dans le compartiment pour ordinateur des sacs photos. Voilà, on met le flash tête en l'air, un peu comme moi. Et du coup, on est bon. Voilà. Donc, je vous parlais de flash À quoi ça va me servir là tout de suite J'ai Maëlle qui se tient face à moi. Maëlle, qui est une artiste, n'a pas beaucoup de temps, parce qu'elle est pressée. Elle a un vol pour la New York demain. Hop, ça te va bien, je trouve ce, cette imagerie. Donc là, je mets mon flash un peu sur le côté. Quelque chose, je pars du principe que vraiment, euh, on est dans le rush, je ne mets pas de pied girafe, j'aurais pu mettre un pied girafe au-dessus d'elle, tout ça. On part vraiment sur un setup ultra simple. Donc du coup, mon, mon flash un peu sur le côté, ce qui va me créer des ombres du côté opposé et donner un beau volume au visage. Et maintenant... Je donne ce flash maître à Maël, qui sait déjà comment ça marche. On se met à ISO 100. Alors si des gens veulent les, les setup que j'utilise, les réglages et tout, n'hésitez pas à vous demander. J'essaie de vous les donner tant que possible. Là, on part sur ISO 100. Je pensais F4. Euh, et puis voilà. Tu mets face à la lumière comme je t'ai montré. Hop. Ok. Hop. On va baisser un peu. Est-ce que c'est lui C'est lui. Ok. Appuie ah, encore un coup. C'est bon. C'est bon. Donc là, je sais que ma lumière est calée. Je peux shooter sans aucun souci. On va juste vérifier l'ombre. Alors, le, évidemment, on a, un, on a une lampe pilote sur ces flashs. Mais vu l'éclairage vu qu'on a pour le live, euh, on ne va pas voir une vraie différence, évidemment. Donc, j'ai fait quelques tests. On est en connecté. Donc, on est en connecté. On est sur, un, sur ce BenQ. Euh, 27 pouces, celui-là 32, celui-là, Hervé 32 pouces celui-là. Et, euh, et on va tout de suite faire une photo, un peu test. Donc, ISO 100, F4. Tu peux. On était plus. Ouais, attends, on était plus reculé tout à l'heure. Enfin, ouais, ouais, c'était ça. Du coup, je vais le bouger. Alors, évidemment, je pourrais refaire un test au flashmètre mais bon. On a bougé de 20 cm tous les deux, ça devrait aller. Hop, on va vérifier juste. OK. Donc, là, comme on peut le voir, tu peux mettre mon écran carré. Euh, et puis je suis là je crois. Comme on peut le voir, ma lumière a été mesurée, euh, bah, c'est tout de suite propre. Euh, c'est une lumière qui reste globalement euh, assez dure, parce qu'on est sur, un, on est sur un, une très petite source, mais qui est infiniment plus douce et infiniment plus flatteuse que si j'avais euh, mis le flash nu en direct, évidemment. Euh, ça, donc, ça me permet, comme on va le voir, de, de faire des photos de Maël, de type studio, et Maël est plutôt doué pour ça en plus. Donc, comme on peut le voir, les fichiers sortent propres. Ça m'a pris euh, quelques secondes. J'ai fait une mesure de lumière, j'ai placé mes, ma... j'ai placé mon éclairage. Euh, ensuite, bon là, les fichiers sont bruts. J'insiste sur ce fait. Euh, je suis un photographe qui travaille globalement euh, plus en amont euh, qu'après. J'ai tendance à toujours essayer de sortir des fichiers très propres, euh, en toute humilité bien évidemment, de mon appareil photo, mais euh, mais ça. Là la photo elle est, elle est euh, sortie du boîtier. Bon, euh, Lightroom m'a collé son Adobe Color que j'aime pas trop. Mais j'ai des setups tout fait, enfin des, des presets tout faits, et on voit qu'en un clic, eh ben, je peux sortir euh, une photo sans aucun souci. Et, euh, et voilà, j'ai touché quasiment à rien. Euh, j'ai mis un peu de contraste. Et, euh, et puis voilà. Donc c'est cette première façon de faire, euh, moi c'est un truc que, que j'aime beaucoup. Alors j'ai une première question, y a-t-il une règle pour la hauteur du flash euh, si vous voulez un rendu euh, naturel et flatteur, parce que finalement il n'y a jamais de règle, euh, j'ai envie de dire <laughs> faites ce que vous voulez, euh, mais si vous voulez un rendu naturel et flatteur, la référence finalement euh, de, la, de la lumière qu'on a c'est la lumière naturelle. Et le soleil, euh, qu'il soit couvert ou pas, hein, donc on ne parle pas de lumière dure, dure ou douce, mais le soleil vient d'en haut. Donc la règle. Général, le conseil que je peux donner, c'est toujours mettre l'éclairage au-dessus de la tête du modèle. Ça va éviter d'avoir des ombres qui remontent si elle est trop basse ou qui s'étendent sur le côté si la, la source est trop de côté. J'ai pas dit qu'il fallait jamais mettre de source de côté ou source basse. Je dis qu'en général, pour un éclairage flatteur, mettez toujours, sauf pour vouloir des effets, la source au-dessus euh, de la tête du modèle. Et quand je parle de la source, on parle vraiment. On le verra et les grosses boîtes à lumière, on parle de la tête de flash. Quoi. La tête de flash doit se retrouver au-dessus euh, de la tête du modèle, ce qui va créer des ombres qui descendent sous le nez et qui vont être du coup beaucoup plus naturelles. Donc maintenant, on... c'est bien joli. Euh, J'ai fait une photo euh, de Maëlle euh, tout à fait classique, qui, qui ma foi marche très bien. On peut utiliser cette photo, on met son nom dessus, euh, on a une photo qui peut être une carte de dédicace, tout ça, mais euh, Maëlle elle a un univers un peu... Euh, elle est jeune, je crois. Euh, on veut un univers un peu coloré, on veut, on veut quelque chose qui, qui sort un peu des sentiers battus. J'ai failli oublier. Avant ça, on va faire un dernier shoot très important parce qu'en fait, euh, ce, cette masterclass se fait en deux euh, parties. Et très important, on va voir toute une chaîne, toute, toute, toute une chaîne de, de traitement d'image. On va voir comment calibrer un écran. Et pour les gens qui font de la reproduction ou qui vont faire des lookbooks par exemple de marque et qui ont besoin d'avoir des couleurs très précises, Heureusement que je viens de me rappeler en la voyant. On va parler de ça. Donc ça, en fait, je vais shooter avec aujourd'hui et on va vraiment vous expliquer son fonctionnement mardi parce que ça se fait à la prise de vue, on a juste à prendre ça en photo et à la retouche, c'est là que ça devient très important. Maël, tu vas tenir ça près de ton visage, par le haut, bien face à moi. Il faut que ce soit assez bien éclairé. Ok. Donc là, ce que je viens de faire globalement, c'est que j'ai pris cette carte, euh, c'est une X-Trite Color Passport Checker 2, c'est ça Color checker, Color checker Passport Photo 2, parce qu'on a plusieurs évidemment. Euh, tu peux mettre mon écran, Gary, que les gens la voient. Et je vais venir avec. Donc sur cette euh, photo, j'ai. Euh, en fait, qu'est-ce que ça va me donner Ça va me donner toutes les couleurs euh, de référence shootées sous mon environnement. C'est-à-dire que là, cette carte, évidemment, elle a des couleurs très précises qui sont shootés avec l'éclairage que j'ai pour shooter ma Et du coup, ensuite, on verra ça, du coup, mardi, je vais pouvoir, avec un logiciel qui va euh, s'ajouter à Lightroom, lui dire, cette couleur-là, c'est un blanc, ce, cette couleur-là, c'est un jaune primaire, et ainsi de suite. Et comme ça, euh, alors je ne suis pas technicien du tout, il y a des génies qui ont fait ça à ma place, mais en gros, euh, d'avoir shooté cette charte dans mon environnement précis, va pouvoir me permettre de retrouver des couleurs justes. Au traitement, euh, bah, grâce à cette photo de référence. Et donc ça, bah, on en parlera euh, mardi prochain. Du coup, Maëlle est une artiste, univers coloré. Que va-t-on faire On va commencer à parler un petit peu gélatine, parce que d'ailleurs c'est une grosse partie de mon travail, je ne vais pas te cacher. Et euh, c'est quelque chose que j'adore vraiment. Et donc on va se servir de petites choses, mais vraiment, qui vont nous changer la vie. Déjà, je vais offrir à Maëlle un tabouret pour qu'elle puisse tourner et elle sera contente. Merci. Si elle vous donne le tournis, il faut le dire. Euh, on va utiliser ces accessoires que j'adore terriblement. C'est euh, des disques aimantés qui se, qui se mettent sur les têtes du Profoto A10. On a des gélatines de couleur, des gélatines de correction, et on a aussi un snoot. Euh, encore une fois, on va utiliser deux A10 dans cette vidéo, dans ce, dans ce setup. Euh, il ne faut pas avoir peur de la lumière dure euh, il ne faut pas avoir peur de l'utiliser, c'est quelque chose que moi j'adore. Et euh, ce qui est bien que la lumière dure, c'est que du ça ne prend pas de place, parce que là, je veux une source très focalisée sur le visage de Maël. Je mets un snoot, enfin une grille. Je pense que c'est plus une grille nid d'abeille, mais j'aurais envie d'appeler ça un snoot, qui va me servir à éclairer le visage de Maël très précisément, parce que la grille nid d'abeille resserre le flux lumineux. Et ensuite, on va euh, utiliser une deuxième source et qui va avoir plusieurs effets. La première étant de remplir les ombres, ce qui va du coup adoucir le contraste général de la photo. Et on va utiliser une couleur pour commencer à donner un univers à la photo. On va voir ça ensemble tout de suite. Alors, à savoir que. Je vais juste reprendre ça. Euh, quand on rentre dans les gélatines, c'est là que l'utilisation du flashmètre devient beaucoup plus discutable et compliquée. Là, pour l'instant, je vais. Euh, je vais shooter cette source-là sans gélatine, donc rien ne m'oppose au fait d'utiliser un flashmètre pour avoir une, une expo juste, et c'est ce que je vais faire. Par contre, quand on se met à shooter des couleurs un petit peu plus rock'n'roll, telles que le rouge, le violet, le magenta, euh, le flashmètre, il perd un peu les pieds. Parce que je, je, alors, encore une fois, je ne suis pas un énorme technicien, il y a des gens bien meilleurs que moi à ce niveau-là, mais je ne sais pas, je pense que le, que le flashmètre est habitué à recevoir de la lumière blanche, et que dès qu'on va donner du rouge primaire, par exemple, il ne sait pas trop ce qu'il doit faire, à mon avis. Euh, prenez pas ça pour argent comptant, prenez juste pour argent comptant que euh, quand j'utilise un flashmètre sur un flash rouge, ça ne marche pas du tout. Euh, du coup, on est parti avec ce setup là. Hop. Alors, tant que je l'ai dans les mains, ce que je vous le montre, parce que là je l'utilise, mais euh, c'est pas vraiment, euh, on le verra beaucoup plus tard comment euh, l'utiliser vraiment. Ce, ce que j'ai dans les mains, c'est un adaptateur. Qui me permet de mettre tous les modeleurs pro photo sur, sur les, les flashs à 10 tout simplement. Alors, euh, on me pose une question pour la photo d'avant. J'imagine flash en position manuelle, pleine puissance. Euh, alors, flash en manuel, oui, ces flashs sont TTL. Euh, je m'amuse souvent à dire que quand je fais une photo posée, je l'ai fait au flash. J'ai peut-être une lumière pourrie, mais c'est moi qui l'ai faite. <laughs> c'est ma façon, moi, de le dire. Faut que je monte le micro Non Ça sature un petit peu. Ah, faut que je parle moins fort Ok, très bien. Ok. Et donc, euh, euh, je, disais, je disais, je dis toujours, quand je mets euh, mon flash, quand c'est des photos posées en manuel, quand je pars en mariage et que c'est une situation de reportage, je prends évidemment le mode TTL qui, qui m'arrange euh, énormément. Euh, donc, et il me semble qu'il était à pleine puissance, avant oui, parce qu'il était haut et puis assez loin de ma elle, donc euh, du coup euh, j'ai shooté à pleine puissance et pour info, on était à F4 ISO 100, dans un modeleur qui lui demande d'avoir la tête en l'air, hein. c'est assez important comme précision. Donc on va regarder tout de suite ce qu'on peut faire avec un grid sur le visage de Maël. Donc là, gris nid d'abeille. Je l'avais dans les maillettes deux secondes, elle est là. Donc comme je disais, ce, ce petit modeler, il va me servir à resserrer le flux euh, sur Maël. Alors tu vas te mettre un peu de profil vers le flash. Alors là, comme voilà, je ne sais pas si vous le voyez vous à l'écran, mais ma lampe pilote me permet de voir où va taper la lumière. Ce que je veux avec ce modeleur et avec ce flash, c'est avoir vraiment le visage de Maël illuminé de façon assez dure, très découpée. C'est-à-dire que je veux son visage en pleine lumière et le reste un peu moins. Donc là, encore une fois, on va repartir sur un joli F4, j'imagine. Si je retrouve mon appareil photo qui est là, c'est bon. Donc, Maël, hop, on refait une mesure. ISO 100, on va rester tout à Isosan, on va passer en la tête. Tu mets face à toi, j'ai appuyé déjà. Ok. Il faut que tu nous montres. Ok, on y va, on montre. Non, il faut appuyer un coup avant et c'est tout. Appuie juste un coup avant, ouais, et après tu n'appuies plus. Ok, 8. Donc, je baisse beaucoup. Hop, rappuie un coup. Fais-moi voir. Ok, on baisse encore un peu. Vas-y. Ok, on est bon. Donc là, je vais faire la photo euh, devant vous. Donc, on a euh, Maël qui va se mettre son visage vers le flash. Vous me dites si je cache la cam, n'hésitez pas, hein, parce que des fois, je ne fais pas gaffe. Et donc Voilà, j'ai d'autres flash qui part là-bas. Voilà. Juste enlever l'autre flash. C'est lui qui a déclenché en même temps. Ce qui n'est pas très malin. Ce qui m'a fait un petit feeling. Ok, on y retourne. Donc là, j'ai un seul flash sur ma aile. Donc à savoir, pour ceux qui se posent la question, les, les éclairages du live n'affluent pas sur la, sur la prise de vue là tout de suite. Hein. Ok, parfait. Voilà. Tu peux mettre mon écran, Gary. Donc là, euh, on a une photo de Maëlle, encore une fois, qui est, qui est exposée correctement, euh, qui marche, euh, qui marche bien. Mais ça manque euh, terriblement de folie. Euh, c'est une photo qui est jolie, mais, mais qui, qui pour moi manque d'un petit quelque chose, surtout pour une artiste. On a son visage qui ressort très bien, mais elle sort, euh, bah, c'est joli, mais c'est pas, ça me parle pas plus que ça. C'est pour ça qu'on va prendre un deuxième flash. Et on va cette fois-ci utiliser euh, un gel de couleur. Alors à savoir que je suis complètement amoureux, mais genre vraiment, de la couleur Peacock Blue euh, de chez, de chez Pro Photo. S'il y a des gens qui vont sur mon Instagram vont vite se rendre compte que cette gélatine-là, je, je l'utilise du matin au soir. Euh, J'ai pas pris le bon pied, c'est très malin. Hop là Puisque je vais mettre dans la même position du coup. Hop Je pas pris le bon, bon pied. Ok. Parce qu'il y a un pas de vis très grand sur un, et un pas de vis petit sur l'autre. Et j'ai inversé les deux. Je vais les mettre à la même place. Voilà. Et donc, pour ceux qui, qui aiment bien avoir les, les, les trucs techniques, ce flash est à 5,2 de sa puissance, donc sur 10. Donc, on voit que même avec une grille, on a encore largement de la marge. Donc, là, on a ce, ce flash-là qui focalise la lumière sur Maël. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une ambiance globale à ma photo. Une ambiance vraiment générale. J'ai mis un flash avec une gélatine bleue. Et je vais le mettre vers le plafond. En fait, l'intérêt de ce flash, ça va être de remplir euh, toutes les parties sombres euh, de la photo. Et là, il y en a beaucoup. Tu peux mettre l'écran si tu veux. On va remplir toutes les parties sombres de la photo avec du bleu. Euh, C'est une histoire de ratio, les gélatines. Tant que la puissance de mon flash bleu ne prend pas le pas sur la puissance du flash euh, du flash principal, et eh ben en fait je vais simplement bleuter les ombres. Et le, la, le visage de Maëlle ne sera pas teinté en bleu. Et on va voir ça en fait en vous le montrant tout simplement. Et là pour le coup, pour moi il n'y a plus de flash je je règle la puissance de ce flash pour la teinte de bleu que je veux. C'est aussi simple que ça. Alors comme il est au plafond, il a besoin d'un peu de patate. Et on va faire des tests ensemble. Tout simplement. Hop. Mettons vers le flash toujours. Ouais. OK, donc là on voit qu'on a une teinte bleue. Je ne sais pas si tu peux remettre l'écran. On voit qu'on a une teinte bleue qui commence à apparaître et on peut, aller, euh, on peut aller bien plus loin que ça. Donc il suffit de monter le flash. Ok, on y va. Ok, je ne vais, vais pas me mettre dedans. Ok. Voilà. Et donc là, on voit qu'on a une teinte beaucoup, beaucoup plus bleue. Euh, comme je vous le disais, là, avec les gélatines, la... la puissance du flash va gérer sa saturation et aussi sa couleur, puis évidemment sa présence. Euh, donc ça vraiment, euh, c'est une question de, de choix de votre part. Mais on voit tout de suite que la différence entre ça et ça. Je peux faire les différentes entre les deux, oui je peux faire ça. Voilà. J'ai une photo euh, ici donc... Ah. Faut que j'arrête de montrer l'écran. Je vais peut-être montrer avec ma souris. Ici, j'ai une photo qui est euh, avec un éclairage qui marche bien. J'ai l'impression que j'ai fait la photo de la laitière, la fille sur le yaourt. Là. Euh, mais là, on va tout de suite récupérer euh, une ambiance, une ambiance qui est beaucoup plus marquée, qui fait beaucoup plus jeune. Et encore une fois, là, elle sort du boîtier. Il suffit d'un rien. Euh, il suffit vraiment d'un rien pour aller lui donner une petite couleur sympa. Où êtes-vous Vous êtes là Hop. Alors, il faut faire gaffe avec, les, avec la vibrance et les gélatines. On en parlera ça. On va faire une grosse session retouche qu'on vous diffusera mardi. Mais euh, on voit qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour avoir encore une fois une photo euh, qui marche terriblement. Et ce qui est génial avec les gélatines, c'est que euh, je change d'ambiance en un clic. C'est-à-dire que j'enlève cette gélatine bleue que j'adore. Ça me fait un peu mal au cœur. Je vais le laisser. Hop. Et je mets une gélatine rose ou orange. Euh, peu importe. Et toute l'ambiance de ma photo va immédiatement changer. Et ça, c'est un truc qui est, qui est vraiment cool quand on, quand on veut créer des ambiances. On va, on va rentrer plus en détail tout à l'heure dans ça. Mais là, si je fais la même photo en ayant juste changé la gélatine. Alors là, je fais un peu de raccourci. Euh, y a des... Les gélatines, plus elles sont euh, saturées et profondes, plus elles bouffent de la lumière. Donc il vous faudra peut-être euh, changer la puissance de ce flash. Mais ça, euh, vous avez compris le principe. On voit comment, en une seconde, en changeant juste un tout petit truc, hop, on peut passer de cette photo à cette photo. Et, euh, et ça, pour moi, c'est un truc que j'aime beaucoup parce que ça me permet vraiment d'être créatif. Et on va voir maintenant que j'ai cette gélatine rose avec moi comment être euh, encore plus créatif. On arrête de parler photo euh, et technique 5 secondes on va parler de Maëlle. T'aimes bien quand on parle de toi <laughs> Maëlle, elle a une coupe de cheveux que j'adore. Euh, elle a un sourire que j'adore tout autant, mais euh, elle, a un elle a une coupe de cheveux que j'aime vraiment. Et je me dis pourquoi ne pas tenter euh, une photo en contre-jour qui met vraiment en avant son profil et du coup, sa chevelure. Donc, si je voulais faire ça, j'aurais juste hop, à mettre un flash derrière elle qu'on va cacher avec elle. Voilà. Alors là, il y a deux façons de faire que j'aime tout autant, et ça, on va en parler très précisément plus tard. On peut éclairer le fond en cachant le flash avec ma L. Euh, J'éclaire le fond, et du coup, le fond va être très rose. J'ai mis une gélatine rose. Et ma elle va être du coup euh, noire, euh, ce qui va me permettre de la faire se détacher euh, très fortement. C'est la première façon de faire qui va être la façon la plus édulcorée pour moi. Hop. Alors là je fais un test. Encore une fois là ce qu'on va vouloir avec le flash, ce n'est pas une puissance précise, c'est une couleur. Euh, donc je, je fais des tests là pour le coup. alors Par contre tu ne caches pas très bien le flash, il faut que tu te décales un peu vers là. C'est moi qui l'ai mal placé. Hein. C'est bon. Je vais le mettre devant. Ah parfait, là. Ne bouge plus. Voilà. Donc là, moi, je le trouve un petit peu trop puissant, mais on va regarder ça quand même ensemble. Donc là, l'idée, ce serait vraiment... Je te je te, ouais, je te dis plus de passer dessus, tu sais, hein, tu es un professionnel. <laughs> Parce qu'à chaque fois, je vais dire, tu peux mettre l'écran, mais ce serait presque de te faire un affront, Gary. Voilà. Alors là, on a une lumière qui du coup est très jolie. C'est quelque chose que j'aime. C'est vraiment l'ambiance que je veux. Mais c'est pas ultra homogène. Euh, le bas est un peu plus euh, est un peu plus sombre et je trouve le rose un petit peu trop euh, puissant. Donc ça, on va le régler. Euh, ça me permet de vous montrer quelque chose de très bête. Plus on éloigne une source euh, du sujet qu'elle va illuminer, plus euh, la source va être homogène. Donc là, on va demander à Maëlle de se rapprocher. Ça va carrément ouais, encore un peu maintenant. Oh ouais vas-y 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 voilà et donc là hop je cache bien ça derrière toi et donc là on va refaire la même photo du fait que j'ai éloigné la source et eh ben elle va être moins puissante forcément, elle va moins éclairer le fond et elle va être plus homogène parce qu'elle est plus loin. On va shooter cette photo pour faire un carré. Voilà. Attends, mais juste juste celle-là, je fais au mieux. Et donc là, on voit qu'on a une photo euh, qui, moi, me parle beaucoup plus. On va la shooter en carré, comme j'avais dit. Et on a vraiment un truc avec un, un effet de contre-jour. On a ce, ce rose qui, du coup, est devenu beaucoup plus, euh, bah, beaucoup plus euh, homogène, qu'on va pouvoir un peu abuser. Là, on est vraiment sur des photos type illustration. On peut vraiment euh, aller un peu plus loin dans la, dans la colorimétrie. Euh. Et je trouve que c'est quelque chose qui marche très bien. Il y a une autre façon de faire ça, et c'est là qu'on va voir euh, le taf avec les gélatines qu'on va, qu va voir dans l'autre euh, partie du shoot. Ça va être de retourner le flash et cette fois éclairer Maël par l'arrière, sans éclairer le fond. Est-ce que j'arrive à le cacher avec toi Non, je pense que là tu seras pas mal. Si oui, c'est bon, j'arrive à le cacher. Et là, on fait l'inverse en fait. Je vais éclairer Maël et je vais avoir une sorte de silhouette. Je vais peut-être me mettre devant deux secondes, je suis désolé. Voilà. Et là, du coup, on a une photo euh, qui nous dessine tout le visage de Maël. Le visage, du coup, c'est bah, son identité propre. Et euh, ça me permet d'avoir une photo en contre-jour avec tout son, tout son contour. Avec un petit effet euh, lumineux. Et qui permet d'avoir euh, bah, une photo où on la reconnaît, euh, de par ce qui fait ses spécificités physiques, en fait, ses, ses cheveux, son profil et tout. Et je trouve qu'en fait, c'est quelque chose qui est très bête, très facile à faire. Et ça prend quelques secondes et encore tout se fait devant le même fond. On va voir une. J'ai aucune idée de l'heure, je pars en roue libre complet. J'ai l'heure sur mon truc, c'est bon. On va, on va voir un, un setup cette fois avec deux, euh, deux flashs et deux gélatines euh, pour montrer un petit peu des ambiances un petit peu plus colorées encore. Donc tu vas te remettre sur ta petite, euh, ta petite marque. Donc ce qu'on va faire, c'est que, encore une fois, l'idéal, c'est. C'est au bout d'un moment d'avoir en tête le rendu qu'on veut, de l'imaginer, et de se servir ensuite de son matériel comme des outils pour arriver à un rendu, un rendu voulu. Je voudrais que Maël soit éclairée principalement par une source jaune, un petit peu 70, comme ça, sur son visage, et qu'on ait une lumière bleue qui vienne en opposition. Parce que bah, jaune et bleu, ça marche quand même très fort. Alors ce qu'on va faire, c'est que... On va utiliser une gélatine jaune en source principale. Hop. Et on va utiliser le grid. Alors, à savoir que les, les modelers se clipsent les uns sur les autres, donc on peut les combiner. Voilà. Donc là, j'ai. On va shooter de face un petit peu. Je vais mettre une grille nid d'abeilles, donc plongeante, sur ma aile avec un flash jaune. Et donc, l'idée, c'est de créer de l'ombre. Quand vous voulez faire de la gélatine avec plusieurs couleurs, il faut créer des ombres. Parce que euh, la lumière d'une couleur, donc en fait une couleur, sera le plus visible dans l'ombre laissée par l'autre couleur. Est, quelque part, c'est logique. Je vais éclairer euh, son visage en jaune d'un côté. Si je mets un flash bleu de l'autre côté, la partie qui sera le plus bleue, bah, c'est la partie laissée en l'ombre par le flash jaune et inversement. Donc, créer des ombres. C'est pour ça que le. La lumière dure déjà marche très bien avec les gélatines et, euh, et les grilles d'abeilles qui servent vraiment à focaliser précisément euh, les lumières sont très très importantes. Il faut presque voir, euh, si on veut un peu dramatiser la chose et, euh, et euh, rendre ça un petit peu plus hollywoodien, les, les, les photos avec gélatine et deux couleurs différentes comme une, euh, une bataille de territoire. On peut imaginer un, un film d'Hollywood avec des gangs qui veulent vraiment prendre un territoire. Euh, je mets une lumière jaune ici et il faut que je dessine un territoire. Voilà, tout simplement. Euh, et ensuite, partout où le jaune n'aura pas accès, c'est le bleu qui est en face, qui va prendre, euh, qui va prendre l'ascendant. Et à l'endroit où les lumières se rencontrent, on va avoir une troisième teinte qui va se créer si les lumières se rencontrent. Il y a une euh, question qui dit fond gris, ok. Est-ce que ce ne serait pas mieux en fond blanc pour ces effets de couleur Alors, euh, si on veut une couleur maximale... Euh, le fond gris pour moi est plus approprié. Le blanc, il va faire un feeling général, et il va avoir tendance à pastelliser un peu les couleurs. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, euh, ça veut juste dire que pour montrer vraiment l'effet de la gélatine, le fond gris, euh, c'est vraiment celui qui est le plus prononcé pour moi. Si on met un fond noir, euh, on verra ça après, parce qu'on va passer en mode studio après. Si on met un fond noir et qu'on met des lumières derrière Maël par exemple, qui sont déjà prêtes, on va avoir des lumières très saturées sur les côtés de Maël. Et un fond noir. Si on met un fond gris, on va avoir des lumières un peu moins saturées sur le côté de Maël et un fond qui va être teinté. Et si on met un fond blanc, on va avoir une image globalement plus teintée mais pastel. C'est-à-dire que les, tout sera plus coloré mais moins puissant. Et, et c'est quelque chose qu'on qu verra plus tard. On est parti pour ça. Hop, tu te mets bien face à moi. Hop là. Je vais faire un petit. Tiens, je mets ça face à ce flash là. Et attends, il y a lui qui est parti en même temps. Faut que je l'éteigne à chaque fois. Ok, tu peux aller. Ça fait un coup. Très bon. Donc, on va déjà shooter la première couleur. Comme ça, je vous montre pas à pas ce que ça donne. quoi. Donc là, comme je vous disais, on veut. Voilà. Il faut que j'enlève ce preset. On peut passer sur mon écran, Gary. <laughs> on veut. On a une couleur jaune. Alors je trouve que cette photo, bizarrement, elle marche déjà bien. On a un côté un petit peu vieille lumière de scène, un peu, un peu des clubs de jazz euh, des années avant que je sois né, bien que je sois plus si jeune que ça. On a une ombre sur le côté, mais euh, cette photo finira carré, donc elle ne me dérange pas. Et on a toute une partie de la joue de Maël qui est dans l'ombre. On a ce chemisier qui est dans l'ombre, son pantalon qui est dans l'ombre, et on a tout le côté opposé qui est dans l'ombre. Et du coup, l'idée maintenant, ça va être de jouer avec un contraste de couleurs pour remplir ce côté-là, et avoir euh, bah, une espèce de dualité avec des, des teintes un peu plus riches. Le monochrome, c'est un truc qui marche très bien pour moi, mais qui, qui montre quand même vite ses limites, alors que là, on va pouvoir aller chercher toutes des palettes de couleurs euh, assez facilement. On va reprendre ce magnifique bleu. Voilà. Donc là, je le mets face à elle un peu plus bas. Et puis, on va faire des tests, encore une fois, de colorimétrie. Encore une fois, désolé s'il y a vraiment des gens un peu plus puristes. Je mesure ma première source, mais la deuxième, elle me sert vraiment à avoir un rendu que je vais rechercher plus au visu, finalement qu'à la, qu la technicité, il faut que cette deuxième source elle m'apporte un rendu visuel intéressant. Donc là on voit tout l'intérêt d'avoir un écran 32 pouces à côté de moi quand je shoote. C'est quand même euh, assez, euh, assez cool d'avoir le rendu en direct en shootant en connecté. j'entends que ça tapote, je me demande s'il n'y a pas des questions, je vais regarder ça. Donc là on voit que euh, par rapport à la première photo, on a rempli euh, les ombres. De, bah de ce de ce bleuté là. On va se remettre plus droit, elle Plus face à moi. Ouais, allez, on va en faire plusieurs. Ok. Hop. Et donc là, on a une on a une photo. Alors, je ne fais pas les retouches tout de suite parce que ça va être vraiment euh, prévu après. Mais euh, on va juste voir qu'en quelques secondes, on peut avoir sur un fond gris euh, une photo bah, qui, 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 qui est pour moi originale et qui, et qui dénote un peu de ce qu'on pourrait faire avec deux flashs sur fond gris sans gélatine. Euh, alors là, le fond reste sombre. C'est un choix personnel parce que bah, déjà Maël est assez loin du fond et qu'il est gris. On pourrait tout à fait éclairer le fond. Alors, soit avec des flashs supplémentaires, euh, soit en le mettant en, en rendant le fond plus blanc, en effet, soit en rapprochant Maëlle du fond, ce qui aurait tendance à éclairer le fond. Là, pour moi, pour cette photo, euh, j'aime la façon dont elle ressort du fond, je trouve ça euh, plutôt esthétique. Euh, je pense qu'on n'est pas trop mal pour la première partie. Je crois que je suis dans les timings. Euh, donc là, c'était vraiment euh, vous donner un aperçu de comment travailler avec deux sources. Euh, transportable qu'on peut mettre dans un sac à dos euh, avec un modeleur qu'on a vu, le, le petit flashbender qui peut nous servir à faire des photos un petit peu plus type studio euh, avec un tout qui rentre vraiment dans, dans un sac photo presque j'ai envie de dire hein. moi si je pars avec, euh, avec 2 à 10 dans un sac photo un objectif un boîtier et puis euh, ce truc je, je peux, avec ce flashbender je peux faire des shoots quoi euh, donc ça c'était vraiment comment euh, avoir des photos qualitatives des photos originales dans, dans un univers euh, bah de photos euh, que je contrôle pas. Je vais quelque part, je prends ça un peu comme ma petite boîte à outils, je me balade avec et, euh, et du coup, bah je, je peux être créatif avec. Euh, avec euh, la première fois qu'on m'a envoyé, petite anecdote personnelle, hein, la première fois qu'on m'a envoyé ça à la maison, on m'a dit Tu as reçu les boîtes à lumière et j'ai dit Elles sont où et, En fait, euh, parce que ça se, ça se clipse. Et. Euh, J'étais dubitatif et j'ai essayé et comme on l'a vu tout à l'heure c'est quelque chose qui marche, qui marche grandement ça va pas remplacer une octobox 100 cm évidemment mais c'est pas fait pour euh, on va tu peux te poser un peu mal oui tu, tu as le droit et euh, on va voir on va passer à un, à un setup un peu plus euh, un peu plus corsé oui et non on va passer à un setup maîtrisé on va euh, prendre des flashs de studio qui vont aussi aller dehors. On, peut, on pourra en parler. C'est des flashs sur batterie. On va tout articuler euh, de façon à faire des photos. On, on est vraiment parti sur les portraits colorés pour le thème de ce, de ce shoot. Et je vais vous montrer comment colorer un fond de manière naturelle, comment donner une ambiance à une image euh, de manière subtile ou pas subtile du tout, comment partir d'une base pour créer un univers complet. On va, on va vraiment voir ça ensemble. Euh, bah le temps, je vais vous parler pendant que je pendant que je change de matériel. Et euh, s'il y a des questions d'ailleurs, euh, n'hésitez pas encore une fois à les, à les poser. Je, bah, je, tant que je l'ai en main, j'insiste, avec cet accessoire qu'on a chez Pro Photo qui, qui est le OCF adaptateur, euh, on pourrait utiliser euh, ce A10 comme n'importe quelle flash de studio en lui mettant n'importe quel, euh, quel euh, accessoire Pro n'importe quel modeleur. Là pour le coup je suis assez équipé, on n'en aura pas besoin. On va partir sur une base studio euh, que j'aime beaucoup. On va regarder ça ensemble. Hop, j'éteins tout. C'est la lumière en douche et les grilles nid d'abeille. C'est un truc qui, moi, me, me passionne terriblement. Donc, on a ici une boîte 60-90 avec une grille euh, nid d'abeille. On est sur un B10 ici, c'est un, un flash 500 joules, 500 watts secondes, euh, sur batterie. Qui, qui peut donc aller shooter dehors comme en studio. Et euh, très important qu'on peut alimenter pendant qu'on shoot. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui est vraiment vraiment un confort extrême. C'est-à-dire que le jour où on n'a plus de batterie, on peut quand même continuer à shooter. Et ça, c'est plutôt cool. Cette lumière-là, euh, pour moi, pour avoir un. Je peux revenir là si tu veux. Cette lumière-là, pour moi, pour avoir un rendu euh, vraiment cool en studio, très rapide à mettre en place, euh, c'est quelque chose qui marche très fort. On va regarder ça ensemble. Bah, tu peux revenir, Maël, si tu veux. On va voir comment, euh, comment ça rend déjà brut, j'aurais envie de dire. Voilà. Donc, euh, boîte 790, grigny d'abeille. Et on va voir quel est le rendu de cette boîte euh, brute. Ça va globalement concentrer le flux lumineux sur Maël, mais euh, on a une lumière qui va être très douce parce qu'on a beau concentrer le flux lumineux, ça reste une boîte à lumière. Donc on va avoir une lumière très dirigée, mais douce. Et c'est quelque chose que moi, personnellement, j'adore. C'est un une de mes configurations préférées. Je trouve que ça donne une espèce de côté dramatique très vite à l'image. Tiens. Après, tu auras le droit de tourner si tu veux. Alors, un truc très important que je ne précise pas à chaque fois, évidemment, c'est qu'il faut allumer les flashs avant de s'en servir. Qu'est-ce que tu en penses, Maëlle, si on allumait les flashs Eh bien, il était allumé, je suis mauvaise langue. Ok, c'est bon. Hop. Et donc, alors, euh, là, je mets le flash un peu en avant de Maëlle, dirigé un petit peu vers elle. Je ne sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, donc je vous le dis. Le centre de la boîte va quasiment arriver sur son nez c'est un petit peu euh, dirigé vers elle, mais ça tape quand même très fort vers le bas. On est quasiment en douche, hein Hop, j'ai fait un test, tu mets prêt de tomber. Ouais voilà, parfait. Ok. Et lui, qui veut, lui il a envie de partir depuis tout à l'heure, il est en veille, il est reparti. Rappiez un coup sur le truc, pour être sûr. Il m'annonce... Attends, va aller un peu plus quand même sur celui-là. Ok. Tapions, ça. Ah ça. On est à 5-6, très bien. Donc là, on va faire un shoot euh, bah, tout à fait euh, classique juste pour qu'on comprenne un petit peu la lumière qu'on a est-ce qu'on va pouvoir en faire c'est parti donc là on arrive à ce type de ça arrive là-bas ok voilà c'est une lumière que j'adore, euh, clairement, c'est une lumière que je trouve folle euh, c est, c est... je pourrais n'utiliser que ça en vrai sur un fond... alors là le fond gris apparaît noir euh, pour ceux qui se posent la question, euh, parce que déjà la lumière a une grille nid d'abeille, donc il focalise la lumière sur Maël, donc c'est-à-dire que la lumière s'échappe moins du modeleur, et ensuite parce que Maël est à à peu près euh, 2 mètres du fond, donc euh, le fond reçoit infiniment moins de lumière que Maël. C'est ce qu'on appelle globalement la loi du carré inverse, que je vous laisserai aller checker sur internet si vous voulez. C'est un truc qui explique que la, la, la puissance de la lumière décroît très fortement euh, dès les premiers mètres. On perd 4 fois la lumière chaque fois qu'on double la distance. Ça, ça paraît euh, assez barbare. Retenez que si vous êtes à 1 mètre de la source, on considère qu'on a 100%. Si le modèle est à 2 mètres, on a 25% de la lumière. Si le modèle est à 4 mètres, on a 6,25% de la lumière. Donc en admettant que Maël est à moins d'un mètre du fond et que le fond est à 2 mètres 53 mètres de la lumière, le fond reçoit infiniment moins de lumière que Maël, ce qui fait qu'il est noir. C'est aussi simple que ça. Donc on voit que cette lumière, elle marche. Tout simplement, je vais en refaire deux, trois quand même, parce que j'aime bien cette lumière. Maintenant, je veux donner euh, un petit côté un petit peu plus euh, funky à cette image. J'ai envie d'avoir une image euh, bah, qui, qui, qui marque un peu plus visuellement. On va utiliser un procédé qui s'appelle le clamshell. Alors, je ne connais pas le terme en français, je ne suis même pas sûr qu'il y en ait un. Hein. C'est un éclairage en coquillage en fait. On met une source au-dessus, une source en dessous. Et du coup, l'intérêt, euh, quand on fait ça en général, ça se fait pas mal. Il y en a qui le font avec un réflecteur, euh, qui est un peu plus compliqué du coup à gérer parce qu'il n'y a que la distance et l'inclinaison par rapport à la source qui vont faire sa puissance. Avec une deuxième source, on peut gérer sa puissance directement, c'est plus simple. Euh, ça, ça c'est utilisé en beauté pour enlever du contraste globalement et avoir un rendu très... Euh, très fin euh, dépôt. Euh, mais ici, on n'est pas sur de la photo de beauté. On a envie d'un truc un peu plus visuel. On va y mettre une gélatine. Encore. Et en fait, ma gélatine, bah, la gélatine que je vais mettre, elle va conditionner un petit peu l'ambiance la, la, bah, de mon image. On va en mettre une orange. Alors là, on n'est pas sur une gélatine CTO, on est vraiment sur une gélatine très 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 orange. Ce qui rend une gélatine d'effet. Il y a des gélatines de correction dont on pourrait parler, mais euh, là on est sur une gélatine d'effet créatif. Il n'y a pas de masque dedans. <rire> <rire> Je sais que tu te moques légèrement de moi depuis tout à l'heure. Hop, donc on met la gélatine dedans. Voilà. Et euh, tiens, parfait. Et donc l'idée de cette source, ça va être d'amener quelque part du ben un petit peu de folie, un petit peu de, de couleur, un petit peu d'ambiance euh, à cette image. On voit déjà, euh... on voit déjà Maël euh, qui s'éclaire par le dessous, déjà visuellement. Je vais faire un test. Voilà. On voit comment passer en en un instant, encore une fois, en rajoutant un petit flash de ce type de photo, à ce type de photo. Je ne suis pas en train de vous dire euh, qu'il y a une photo qui est mieux que l'autre. Euh, moi, à chaque fois que je fais ce genre de présentation, ce que j'ai envie de donner aux gens, finalement, c'est des clés euh, qui puissent un petit peu... Euh, avoir une boîte à outils d'effets créatifs à prendre avec eux, et puis euh, si un jour en shooting, ils y pensent, ils disent, ah bah tiens, c'est vrai que ce serait pas con euh, si je veux une image un peu plus chaude, si je veux un truc un petit peu plus, euh, petit peu plus marquant. Euh. Donc là, l'idée, c'était vraiment de vous montrer qu'on peut avoir une couleur, euh, des couleurs un peu plus chaudes, juste en mettant un petit flash par en dessous. Encore une fois, c'est le ratio, alors oui, je ne l'ai pas mesuré, enfin, ce flash était réglé, on a fait des tests avant, bien évidemment. Euh, les... les ratios sont ce qu'il y a de plus important quand il y a plusieurs sources, si le flash du bas est trop fort, les ombres vont remonter. On va avoir l'ombre du nez qui remonte, on va avoir les yeux creusés, et c'est pas ce qu'on veut, à moins qu'on veuille un effet, un effet un peu film d'horreur. On va en faire quelques-unes parce que c'est joli. bien ça Hop. et donc on voit qu'on a encore une fois une, une photo sortie du boîtier euh, qui marche sans trop de soucis à laquelle je pourrais déjà sans faire grand chose euh, bas sortir tel quel quoi Hop. et on voit du coup moi c'est vraiment ce que, que j'aime à montrer c'est je pense que l'important euh, dans ce genre de config, c'est de comprendre ce qu'on fait, finalement. C'est juste de, de, de comprendre le fonctionnement du, du, du matériel qu'on utilise et de, et de voir un petit peu, un petit peu ce qu'on en fait. Le, on va rentrer dans le dur, maintenant, on va parler du fond. Depuis tout à l'heure, j'ai un fond qui est, euh, qui est noir. Parce qu'on utilise des, des modeleurs très proches de Maël et qu'on et qu a des grignies d'abeilles de partout. Pourquoi je préfère le fond gris et ça répond du coup à la question de tout à l'heure qui, qui est parfaite. Le fond gris, c'est celui que je vais pouvoir le plus moduler, en quelque sorte. Euh, je trouve que les gélatines sur fond blanc, personnellement, ça, ça pastélise trop le tout. Euh, si des gens connaissent un peu mon travail, je ne dirais pas que je suis un photographe qui va dans le too much, mais je dirais que j'aime quand même les contrastes et, et la colorimétrie assez poussée. Et donc du coup, ce fond gris, il m'apporte globalement, euh, personnellement, encore une fois, j'insiste là-dessus, il m'apporte de la latitude. On va rajouter euh, des couleurs par l'arrière. Je vais juste changer cette euh, gélatine, parce qu'on va en mettre une bleue. Ce qui ira beaucoup mieux avec le set d'après. Donc du coup, je prends une gélate bleue. Encore une fois, je vais la shooter, juste pour vous montrer la différence d'un changement de gélatine sur un set. C'est quelque chose qui est quand même, euh, pour moi, assez parlant. C'est vraiment cette façon de... Alors, hop. est-ce que j'ai sorti, il est sorti là très bien, hop, alors il y a deux mains dans le modeleur c'est pas ce qui est le plus facile pour moi là, je vais sortir ce sera plus simple, hop là donc il y a des euh, portes gélatines chez Profoto qui, qui s'adaptent on avait ceux tout à l'heure pour le A10 et ceux-ci ce sont ceux pour le la marque B10, en fait, enfin pour la gamme B10, B10 Plus, et toute la gamme OCF globalement. Alors j'insiste énormément, mais énormément, euh, ces, ces, ces modeleurs-là, enfin, ces, ces petits modeleurs, ils s'appellent OCF parce qu'ils vont sur la gamme OCF qui ont, et j'insiste forcément sur ça, des lampes pilotes à LED. Ne mettez pas des modeleurs en plastique sur un flash genre D1 qui a une lampe pilote qui n'est pas à LED ça risque de fondre et de mettre le feu. Donc, donc euh, si ça s'appelle OCF, c'est que ça va sur tout ce qui est flash OCF. Hop là. Est-ce que tu es prête Oui. J'aime cette vigueur en toi. Donc là, encore une fois, j'ai changé une gélate. Hop, je ne mets pas devant la caméra. J'essaye. Et on voit que bah, la, la photo, elle, elle change. Euh, L'ambiance de la photo change du tout au tout. Quoi. Vous voyez Tu vois que j'ai une question. On me demande la puissance des flashs actuellement, c'est ça Alors, euh, celui du bas est à 7,4, mais euh, c'est un 250 joules. C'est important. Et celui du haut, je ne vois même pas, est à 6,5 et c'est un 500 joules. Voilà. Donc notez, euh, le B10 est à 6,5 et le B10 en bas est à 7,4. Ce qui ne veut pas dire que celui du bas est plus puissant, parce qu'il est. Il est du coup. Euh, il, a, il a la moitié de, de puissance globale. Donc on voit vraiment qu'on peut avoir des, euh, des, des rendus très différents en changeant une gélate. Maintenant, si j'ai mis du bleu, c'est pour aller avec les flashs que j'ai mis à l'arrière. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a ici des bols beautés avec des gris nids d'abeilles. Euh, ça pourrait marcher évidemment, et c'est beaucoup plus commun de mettre, euh, de mettre des boîtes à lumière avec des gris. Euh, seulement, en fait, je n'en avais pas à dispo assez. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. Le principal point, c'est d'avoir des gris nids d'abeilles. Euh, on va les diriger vers Maël pour que vous compreniez un truc très important quand on parle de gelate. Ce qui est en fait la dispersion de la lumière. C'est vraiment, euh, vraiment le truc qui va, qui va vraiment euh, vous faire comprendre et évoluer dans ce milieu. C'est comment se comporte la lumière quand je mets des nids d'abeilles, quand je n'en mets pas. Et surtout, quels effets je peux avoir en en mettant ou en n'en mettant pas. On va essayer comme ça. Donc là j'ai des gélatines roses à l'arrière. Voilà. Et c'est là qu'on va rentrer dans le dur vraiment. Donc là on commence à rentrer dans les setups un peu plus compliqués. On a quatre sources de lumière où chaque source elle va vraiment apporter euh, un petit quelque chose. Ici on voit que je rajoute deux flashs à l'arrière. Pourtant, euh, l'effet que ça m'apporte, c'est seulement sur le côté euh, un petit euh, kick de lumière violet, et puis ça détache un peu les cheveux. On va les monter un petit peu. Pas enfin, les cheveux, les flashs. Les tiens sont déjà bien assez haut comme ça. Ok. Encore une fois, violet, enfin euh, violet et, et bleu, ça, ça marche très bien ensemble, ça représente une gamme de couleurs qui s'accordent très bien. Donc là, j'ai monté un petit peu les flashs à l'arrière. Voilà. Donc là, on voit qu'on est en train de détacher les cheveux euh, du fond, qu'on a une belle couleur bleue euh, sur le dessous et que Maëlle commence à se dessiner sur le côté en violet. Maintenant, on va me dire, euh, bah, c'est vachement bien, mais, euh, mais si je veux du violet sur mes photos, parce que là, tu mets deux flashs violets et on a à peine euh, des petits liserés. Alors. Encore une fois, regardez bien. Les seuls endroits qui sont violés, c'est les endroits qui ne sont pas touchés par les autres lumières. Le, le devant de sa chevelure, eh ben, il est éclairé par le flash du dessus, donc il n'est pas violé. Par contre, l'arrière, oui, parce qu'il ne reçoit pas de lumière. Les côtés du visage, pareil. Et, euh, et donc, c'est vraiment cette idée de, de territoire de lumière. Il y a une question. Le diamètre des nids d'abeilles. Alors, sur la petite, euh, sur le A10 tout à l'heure, c'est une 20 degrés. Et, et sur cette boîte, je vous la montrerai de face après, ce je, n'est je, pas marqué dessus. Euh, et quelle est la focale de mon objectif Alors non, euh, je suis très focal fixe d'habitude. Quand je fais des présentations comme celle-là, euh, pour ne pas changer sans arrêt d'objectif, je prends un 70-200 en studio, euh, c'est un, un 70-200 Tamron de 8. Euh, là, on n'est pas sur un choix euh, personnel, on est sur un choix pratique. Comme ça, je ne change pas d'objectif toutes les deux minutes que j'ai mon, mon matos là-bas et tout, tout simplement. Donc là, on est sur un 70-200 et les photos que je viens de prendre là, elles sont elles sont à, à 100 mm. Voilà. Euh, donc du coup, je veux, je veux, veux du, euh, je veux du violet. On va voir ce que ça fait quand j'enlève les nids d'abeilles. Et le fait que je les enlève, on dit toujours qu'on se rend compte de quelque chose euh, quand on l'a perdu. C'est une phrase très philosophique de gens qui se séparent sur Facebook en général. Et. C'est vrai, non et, euh, et du coup. Là, on va aborder deux thèmes techniques. On va aborder ce qui est le feathering feathering, je ne sais pas trop comment ils disent les anglais. Qui est en fait une façon d'éclairer avec. Euh, avec les bords euh, de la source lumineuse et non pas euh, en la dirigeant droit vers la personne. Ça se fait beaucoup avec des boîtes à lumière, mais finalement ça peut s'adapter à tout. Je vais vouloir éviter les points chauds, et je vais vouloir éviter euh, les, les gros aplats de lumière, donc je vais mettre mes sources non plus vers ma aile, mais droite, comme ça. Les sources non plus. Euh, les so Alors, par contre, je suis désolé, BenQ, mais là vous me faites un petit volet. Hop, je vais le tourner un tout petit peu. Là, mes sources ne sont pas dirigées vers ma mais euh, les têtes flash sont nues. Il est évident que la lumière va se barrer absolument partout. Et bizarrement, c'est ce qu'on veut. On va aller laisser la même puissance, euh, bien que là, je n'ai pas fait de test préalable, mais je sais globalement déjà ce qui va se passer dans ma tête. Voilà. Comment on récupère tout à coup un fond Extrêmement bien éclairé, extrêmement homogène et très coloré. On est sur un fond gris. Euh, ça, ça va, tu tiens le coup Tu envie de tourner Tu peux tourner si tu veux. Euh, on est sur un, un fond, on dirait presque un fond papier violet. Euh, comment avoir un fond aussi euh, clean que ça avec une couleur Pour moi, l'erreur qui est faite, et c'est très prétentieux de dire que c'est une erreur, éclairer avec les flashs face au modèle. Alors, ça va certes éclairer le modèle. On voit qu'ici, euh, elle récupère de la lumière. On voit que dans les cheveux, elle récupère de la lumière. Mais je trouve ça beaucoup plus simple pour teinter un fond de shooter avec les flashs sans modeleur vers nous que de shooter avec les flashs vers le fond. Si on shoot avec les flashs vers le fond, en, en visant le fond, on va avoir ce qu'on avait tout à l'heure avec le, le petit flash. On va avoir ça. Cet effet-là. Cet effet point chaud et puis dégradé comme ça. Euh, si on veut un fond très homogène, shooter avec des lumières qui ne sont pas directes dessus, euh, c'est un truc qui marche très bien. Maintenant, euh, si on veut aller un peu plus loin, on a encore le temps, j'imagine. Oui, on a encore le temps. Euh, on va, on va voir comment faire en sorte que cette image, qui là du coup redevient bizarrement trop clean pour moi, devienne une image beaucoup plus euh, énervée au niveau, euh, au niveau des couleurs et, et de la saturation, tout ça. Je vais rééteindre ces flashs. Je vais faire avec la télécommande. Je suis très envie de marcher aujourd'hui. Encore une fois, on rentre dans des trucs un petit peu plus techniques et un petit peu moins faciles peut-être à appréhender quand on, quand on met les, les pieds là-dedans. S'il y a des questions, vraiment n'hésitez pas. Je vais en profiter. Je vais mettre une gélatine là-dedans pour vous montrer à quoi ressemble la grignée d'abeille. Hop là. Est-ce qu'on la voit, Gary, à l'image là Oui. Donc la grignée d'abeille, je ne sais pas une combien c'est, mais ça ressemble à ça. Voilà, et on va lui mettre une gélatine. Donc là, on va partir sur un setup. On va en montrer deux derniers. Encore une fois, qui vont être faits pas à pas. Euh... Souvent, ce que j'aime pas sur cette photo, oh, te... <laughs> c'est tellement pas poli ce que je viens de faire. <laughs> je, te... je te laisse complètement euh... insupportable ce mec. Euh, ce que je n'aime pas sur cette photo, c'est ce côté. Justement, euh, Maël devant un fond coloré qui pourrait être un fond violet. Euh, J'ai l'impression qu'on a une photo presque institutionnelle avec un fond violet. Euh, ce que je trouve euh, bien dans, dans le côté euh, couleur, c'est vraiment ce qu'on avait tout à l'heure là. C'est des couleurs qui sautent un peu à la gueule, comme je, qui flattent de partout. Et ce qui est bien, et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, rien ne nous empêche finalement de mêler ces deux techniques, d'avoir un éclairage très focalisé sur Maël et très coloré et d'avoir un éclairage du fond, très coloré également. Et du coup, là, ça va être photo arc-en-ciel. Il faut essayer de faire preuve de bon goût au niveau des choix et des ratios, pour pas non plus que ça fasse carnaval. Mais euh, on va regarder ça ensemble. Encore une fois, pour teinter les peaux, ça devient... Euh, C'est compliqué. Il y, a, il y a des couleurs qui vont beaucoup mieux à la peau que d'autres. Il y a des couleurs qui ressortent euh, beaucoup mieux que d'autres. Et il y a des couleurs qu'on peut... Euh, Facilement traité et il y a des couleurs beaucoup plus complexes. Le rouge, par exemple, est une couleur catastrophique à gérer, surtout si on veut l'utiliser en, en lumière principale, euh, parce qu'elle va très très vite saturer. Quand on importe du rouge sur Instagram, c'est une catastrophe. Et, euh, et donc là, on va éviter de se faire des pièges à ce point-là. On pourra en parler un autre jour à la limite. Là, on va partir sur cet éclairage. Hop. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que on avait parlé tout à l'heure de quand les lumières ne se rencontrent pas vraiment, on va avoir deux teintes. Maintenant, on va voir ce qui se passe quand on va essayer de les faire se rencontrer. Et là où c'est important, et vous allez voir que la nuance est assez importante, c'est le choix des couleurs. On va shooter Maël cette fois en bleu, c'est-à-dire que ma seule source, là, sera une source bleue sur Maël. Fais-moi un dernier petit truc comme ça, et après on a fini avec ça. Mais le devant. un coup. Qu'est-ce qu'il me dit Une de deux vides, c'est pas assez. Et un coup. Ok, 4. Ouais. Donc, sans surprise, je vais faire cette photo. Ça va probablement faire hurler certains. J'ai une photo de Maëlle toute bleue. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec ça <laughs> La question euh, est la suivante. À part lui faire passer un casting pour les Schtroumpfs, à euh, ne pas pouvoir faire grand chose. Euh, en sachant que je suis capable de sortir une photo comme ça, mais, mais je n'ai pas que des bonnes idées. <laughs> de manière générale. Euh, Qu'est-ce qui se passe si je rajoute une source orange en dessous Et là, euh, normalement, tout devrait s'éclairer, j'espère, pour vous et, et pour Maëlle. Le bleu et l'orange, c'est deux lumières qui vont très bien ensemble, mais surtout qui, quand elles vont se rencontrer, vont me donner finalement une teinte assez neutre. Et ça, c'est quelque chose bah, qu'il faut, qu faut expérimenter pour savoir, hein, j'ai envie de dire. Hop là. Hop. On Donc, j'ai euh, Maëlle qui est très bleue. Et je viens lui rajouter une petite lumière orange juste en dessous. Voilà. Et là, on voit que tout de suite, on va récupérer une photo qui est beaucoup plus équilibrée. On voit la différence entre les deux. Alors là, elle est un peu claire, évidemment, mais elle est shootée. Euh est-ce est qu'on parle d'exposition à droite là tout de suite je, je préfère pas. On en parlera un autre jour. Hop. Allez, voilà, c'est bien. Donc on a cette photo de Maëlle qui du coup se retrouve beaucoup plus équilibrée. On va retrouver des teintes euh, un petit peu plus normales, bien que finalement elle a quand même l'air un petit peu d'être colorée. Euh, on voit que finalement elle est plus si bleue que ça et elle est plus si orange que ça. On a une teinte intermédiaire entre les deux. Mais qui marche très très bien. Si je mets, j'ai un petit euh, truc j'ai là, Attends, on va baisser un peu les hautes lumières, pas trop, et surmonte si un peu de ça. On voit qu'il se passe un truc où tout à coup on a euh, une lumière qui se dessine et qui commence à me donner un univers. Euh, quand quelqu'un vient en studio chez moi et me dit, euh, je suis musicien, et fais quelque chose, je on fait toujours des photos promo comme on a vu au début, mais après je vais tout de suite aller commencer à chercher un univers soit par la couleur, soit par un effet, soit par un cadrage, soit par une focale. Mais je, je trouve que quand on rentre un peu dans ce domaine artistique, c'est un peu à nous d'aller euh, chercher des, des techniques, des solutions pour rentrer dans l'univers de l'artiste. Et, euh, et là, on va revenir sur un point technique tout bête quand je vous dis, quand je vous parle de cette histoire de, de guerre des couleurs, on a le flash bleu du dessus qui a une grille d'abeille, donc il ne va pas éclairer le haut euh, du fond. Et si on regarde bien ici, on a un arc de cercle qui est éclairé par le bleu. Ou en fait, si l'orange n'était pas là, ce serait juste du bleu beaucoup plus sombre. Mais comme à cet endroit, l'orange prend le dessus parce qu'il ben, tape vers le haut, et ben, on a vraiment ce dégradé de couleur que, euh, que je trouve vraiment joli. Et cette photo, pour moi, marche très très bien. Je trouve le bras un petit peu trop éclairé. On pourrait, à la limite, euh, hop, le reculer un peu. On y va. Voilà. Là, on voit en reculant le flash, j'ai un petit peu atténué euh, le côté trop présent euh, sur le. faut que j'arrête de mettre mon doigt devant l'écran vous ne voyez pas mon doigt. <laughs> voilà, ici, on avait, je trouvais qu'on avait un, un avant-bras un peu trop présent. En reculant le flash, j'ai une lumière plus globale. Je vais lui mettre le même, le même traitement. Voilà. Et on a quelque chose qui est un petit peu plus, euh, petit peu plus naturel. On n'a pas une photo naturelle du tout, mais je m'entends bien. On voit que sa, sa chevelure ressort très bien, que la lumière est, est bien, bien dirigée. On peut même se permettre, à la limite, si on en a envie, des, des effets créatifs. On peut créer des flairs, on peut créer des, des grosses brillances. Simplement. Alors ça, hop. Il y a une question alors, euh, c'est cette question dont je parlais. Optimises-tu les photos à 1.33 ou prends-tu directement le revêtement pour les données du boîtier Quand je shoote en studio, de manière classique, euh, j'optimise à 1.33 ou à 1 si je suis en extérieur parce que j'ai toujours peur qu'il y ait un rayon de soleil qui se ramène, un nuage qui passe. Euh, donc voilà, quand je shoot avec des gélatines, je ne le fais pas. Euh, les gélatines, c'est un truc si, quand je suis avec une bleue à la limite, ça peut. Mais les gélates, ça vient vraiment perturber pour moi la lecture du flashmètre. Je me souviens de, il y a pas très longtemps, ben avant-hier, elles sont sur mon Instagram. J'ai fait des, des photos d'une modèle très tatouée et ma lumière principale était une lumière rouge. J'ai shooté euh, sans flashmètre pour avoir le rendu que je voulais dans l'ordinateur en mode connecté, ça marchait très bien. J'ai mesuré, j'étais f4 au boîtier. J'ai mesuré au flashmètre pour voir parce que je suis quelqu'un de très curieux. Le flashmètre m'a f1,4 et, euh, et donc voilà, tout simplement. Autre question pourquoi ne pas faire ces effets de post -prod, Enfin ces effets de couleur en post-prod Mais parce que je suis feignant, parce que ça me prendrait un temps fou. En vrai, euh, là j'ai deux flashs, je mets deux gélatines. Le rendu il est directement sur ma photo. Le rendu il est naturel parce que c'est la lumière qui me l'a fait et parce que je suis une quiche en Photoshop. Genre vraiment, je ne je suis pas doué euh, en Photoshop. Et, avec, on va voir, et en plus, ça, ça, ça arrive parfaitement sur ce que j'allais montrer. On peut, avec la lumière, euh, faire des effets euh, créatifs directement à la prise de vue, si j'arrive à le, à le ressortir comme il était. Et, euh, et l'idée, c'est vraiment de vous montrer ça c'est qu'on va pouvoir sortir des effets de couleurs très facilement. Hop, je vais le sortir un peu. Et, euh, et évidemment, y a, y a, euh, pour moi, les la photo, c'est une histoire d'école. Il y, y a plusieurs écoles. Il hein. y, y, y a des gens qui, qui font tout à la prise de vue. Il y a des gens qui sont très doués en retouche. Moi, j'ai des amis. Euh, j'ai envie de dire, ils pourraient prendre n'importe quelle photo. Et, et avec Photoshop, ils en feraient une photo, une photo terrible. J'ai. Euh, je viens de le bloquer. Ah, c'est bon. J'ai des, des amis très doués. Et je ne suis pas du tout du genre à dire c'est plus de la photo, c'est du, du graphisme. Pour moi, on s'en fout. Euh, pour moi, l'important, c'est que les gens, euh, quelque part, fassent quelque chose qui leur plaît et qu'ils aient un rendu qui leur convient. Euh, quand on shoot pour des clients, évidemment, il y a l'avis du client qui rentre en compte et, euh, et il faut faire ce qu'il nous demande. Quand on shoot pour nous, pour le plaisir, faites ce qui vous plaît. Vous avez envie de faire ces effets sous Photoshop, faites-les sous Photoshop, tout simplement. Moi, je ne les fais pas sous Photoshop parce que. Bah, premièrement, la lumière, ça me passionne terriblement. Et réussir à faire ces effets directement, ça me... Bah, quelque part, je trouve ça vachement euh... bah, cool. Quand j'arrive à avoir un effet que j'ai en tête, je suis content. <laughs> c'est aussi bête que ça. Et, euh, et je pense qu'il y a des gens qui ont cette même approche avec Photoshop. Ils ont envie d'avoir une photo très plate à la base et d'en faire une photo euh, bah, très aboutie à la fin. Et j'ai envie de dire, bah, je vous comprends, mais juste, euh, on n'est pas de la même école. Et, et voilà, c'est tout. Là, l'idée, c'est de mettre le flash euh, vers le haut complètement euh, complètement en bas et d'aller me mettre tout proche à mon objectif et je devrais techniquement euh, choper un gros flair juste en dessous une espèce d'aura de lumière du plus bel effet enfin, encore une fois du plus bel effet euh, je vous laisse euh, l'appréciation de la chose mais là on est vraiment sur des trucs un petit peu plus euh, créatifs voilà j'aime beaucoup ça donc là, en fait, l'idée, c'est d'aller vraiment chercher les, dans les propriétés euh, de la lumière et de l'optique, j'ai envie de dire, pour aller chercher bah, des, ce qu'on pourrait appeler un défaut, hein, finalement, euh, d'avoir ce, ce halo lumineux en dessous d'elle. Voilà. Et cet effet-là, euh, directement à la prise de vue, c'est un truc que moi, j'aime beaucoup. Ça donne un petit quelque chose, un petit côté un peu magique. Alors, le temps file à toute vitesse. Voilà. Donc là, on voit juste en, en, en changeant la direction de la lumière, ce qu'on peut un peu avoir. Et, euh, et je trouve, bah, voilà, ce petit halo euh, vraiment chouette. On parlait... Quelle gélate dans le flash avant euh, Avant, c'est celui-là. Alors, on a, on a en fait deux gélates pour le moment. La Pick up Blue. Comme je vous le dis, c'est ma préférée, je la fous partout. Euh, la Pick up Blue euh, en haut et une gélate orange qui s'appelle Chrome Orange, je crois. En bas, ce n'est pas une CTO, c'est vraiment une orange très énervée. Que se passe-t-il maintenant si je viens à euh, aller allumer mes flashs arrière Qui était déjà allumés. On va voir que, du fait que toutes les sources euh, ont leur euh, territoire propre, je vais reprendre ce, cette image qui me paraît très claire. Eh ben, on peut les ajouter et les enlever à loisir. On ne va pas pourrir la photo parce qu'en fait elles agissent toutes à des endroits différents de la photo. Mais on va, euh, on va aller rajouter ou pas bah, des zones de lumière. C'est des lumières qui sont vraiment du coup très, euh, très dirigées, qui, qui, qui ont une fonction qui est propre. Hop. Ok. Alors là par exemple, je vous montre, la photo n'est absolument pas cramée, mais euh, on récupère énormément de, de lumière sur le visage de Maëlle parce que, bah, les, les gélates, parce que les gélates violettes sont très poussées. On va les, on va les baisser un peu. On va les baisser d'un stop. Ok va. Voilà. Donc là, on voit qu'on commence à avoir un univers beaucoup plus coloré, beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe. Plus on a de sources, plus on risque d'avoir d'emmerde, clairement. On voit qu'on a le orange qui vient par en dessous, le bleu qui vient par au-dessus, mais le bleu, finalement, il se fait bouffer par les violettes qui viennent du côté, qui font des backlights assez jolis. Donc finalement, ce qui me reste de bleu, c'est les seules parties qui ne sont plus éclairées par le reste, à savoir le visage et un bout de la chemise là. Et c'est vraiment ça. C'est quand on commence à mettre des sources comme ça un peu partout. Qu'on commence à comprendre un petit peu tout ce qui se passe, quoi. À quel point la lumière euh, va prendre le pas sur une autre source, à quel moment elles vont se rencontrer, et, euh, et, et ça, encore une fois, c'est des fichiers qui vont être assez souples à utiliser une fois qu'ils sont bien exposés. Et après un petit tips, ça, on verra vraiment ça à la partie retouche. Euh, encore une fois, ne disais pas trop la vibrance, mais plutôt la saturation. La vibrance, ça donne des machins comme ça. Qui sont vraiment euh, vraiment too much. On a, on a les couleurs qui saturent complètement, alors que la saturation, pour une fois, bah, va être un peu plus euh, un peu plus fine. Et on a un panneau qui est le panneau euh, calibration, étalonnage, je crois en français, euh, que moi j'adore terriblement, qui me permet vraiment d'aller chercher des couleurs sans que ça ça casse. Mais ça, on en parlera euh, plus en détail euh, bah, dans le, la session de mardi prochain. Mais comme ça, je vous tease un petit peu pour vous donner envie de revenir nous voir parce que ça nous fait plaisir de vous voir avec nous. Euh, donc là, on voit vraiment euh, comment avoir euh, ce, ce côté euh, bah, très lumineux. Tu peux te mettre de profil. Okay. Je vais rebaisser ça d'un stop ou deux. Et donc, forcément, on a une lumière qui est calée euh, sur Maël, mais quand Maël change, eh ben, les zones qui vont être éclairées euh, vont être euh, différemment éclairées. Donc là, je sais déjà que le visage de Maël, l'avant du visage de Maël, va prendre du violet. Parce qu'il y a du violet qui va arriver sur elle par son profit. Voilà. Et donc là, évidemment, on a vraiment tout son côté, euh, toute son arête qui, est, qui récupère du violet. On a un super beau, euh, une super brillance. On a ses lèvres qui ressortent très très bien. Et du coup, c'est euh, vraiment un. Une fois qu'on a compris ça, qu'on a compris cette histoire de... De, de couleurs qui vont se mélanger, et ben on, peut, on a des possibilités créatives absolument infinies. Absolument infinies. Voilà. Hop. Et du coup, il faut pas oublier que euh, la base de ce setup, et c'est ça que j'aime bien remontrer de temps en temps, la base de ce setup, c'est ça. On est au même endroit, on est au même moment, euh, la lumière qui est, qui est utilisée est la même, le modeleur est le même. On a rajouté d'autres modeleurs bien évidemment, mais euh, arriver à ce genre de, de photos, que encore une fois, j'insiste, je vous laisse le droit de ne pas aimer hein, ce rendu qui n'est pas du tout naturel, mais, euh, mais voilà, je, moi je parle toujours de clés, de boîte à outils. Euh, je, je sais que si j'ai euh, deux gélates, euh, un peu de flash, je peux faire ça. Et, et je trouve ça euh, assez euh, parlant, en fait, euh, de se dire que finalement, n'importe quel mur euh, derrière nous peut devenir un studio, pour peu qu'on ait 2-3 euh, mètres de recul et puis, euh, et puis un peu envie de faire des choses. Est-ce qu'on fait un dernier setup, Hervé, ou est-ce qu'on passe à quelques questions Je pense qu'on fait un dernier setup rapide. Ok. D'accord, on fait ça. On va voir comment ça se passe euh, <laughs> dans le dur. Je vais vous expliquer cette histoire de rouge. Et comment, et c'est à cette partie-là précise, que je vous laisse avec grand plaisir le droit de ne pas être d'accord avec moi et, et d'en débattre longuement. Euh, là on va complètement oublier le flashmètre et on va partir sur une, sur une, une notion plus de graphisme et de rendu. On va shooter euh, avec une gélatine rouge en, en termes de source principale. Et la gélatine rouge en source principale, euh, c'est un truc que j'adore et qui me frustre en même temps au plus haut point. Parce que euh, c'est je, je, un truc que je comprends à peine. Et en fait, si vous voulez, tout ce que j'ai appris euh, en termes de, 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 de mesures de lumière, et, et ça ne marche pas quand je mets une gélatine rouge. Donc quelque part, ça me... À, à la fois ça me passionne et puis à la fois ça m'énerve profondément. Hop Donc, pour moi, l'idée, quand on shoot avec une gélatine rouge, et encore une fois, ça n'engage que moi, c'est vraiment comme ça que moi je bosse. Quand on shoot avec une gelatine rouge en, en monochrome ou en source principale, il va falloir qu'on arrive à garder du contraste et du modelé dans la lumière avant que ça commence à euh, saturer trop et qu'on perde toute notion de modelé. Faisons un test. Sachant que la gelatine rouge, telle qu'elle est là, fait perdre énormément de, de puissance au flash. Ok. okay on y arrive. Donc là, hop. Alors très important pour les gens. C'est un truc que je montre à chaque fois en plus que je n'ai pas montré là. Pour les gens qui qui, qui comprennent pas pourquoi souvent ils ont une photo qui leur plaît sur leur appareil et elle apparaît dans Lightroom, puis d'un coup elle disparaît et elle redevient euh, tout à coup euh, euh, un peu plus plate. C'est parce que Lightroom, de base, il, il vous colle son profil Adobe Color là. Et en fait, euh, en cliquant sur profil, et si on va dans chercher, on va pouvoir retrouver les profils de notre boîtier, qui sont dans camera matching. Et du coup, on peut retrouver, euh, bah dans, normalement c'est dans, dans standard, hein, le, le profil du boîtier. Voilà, c'est un truc à savoir. Si jamais vous ne comprenez pas pourquoi, euh, votre, euh, bah pourquoi votre photo euh, ne ressemble pas à ce que vous avez vu sur le boîtier. Donc là, c'est typiquement ce que je trouve que le... On commence à perdre de l'info. Donc finalement, moi, je trouve que le rouge, je vais avoir tendance à le sous exercer un peu comme ça. Donc je vais le faire directement à la source. Et à lui adjoindre une source, du coup, autre, qui va être bleu. Mais pour le coup, on va prendre un bleu très bleu. Et c'est là qu'on va faire la jonction avec ce qu'on fera mardi. On va commencer à parler doucement de retouches. Je tu n'as pas trop tourné cet après-midi sur, sur toutes tes flashs là. J'essaie de pas trop le faire en live. C'est beau. Parce que Maëlle a passé l'après-midi à tourner sur ce tabouret, et j'ai essayé de la shooter au bon moment, parce qu'il fallait qu'elle soit face à moi. C'était assez compliqué. Allez mon petit, allume-toi. Je ne sais pas, pu assez longtemps. Ou alors il n'a plus de batterie. On va en mettre une autre. On a fait tous les tests avec. Hop on a beaucoup shooté avec aujourd'hui. Si c'est bon, en fait non, il est encore full. J'ai appuyé sur le mauvais bouton, tout simplement. Ok. Donc là on a rouge-bleu, deux lumières que j'adore terriblement. On va faire un portrait serré, de Noël. Bon, tu peux être un peu moins souriant, c'est du rouge et du bleu, tu sais. Tu peux être un petit peu plus peste. Je te l'autorise. Alors là, on a... On va baisser le rouge du coup. Et on va monter le bleu. Ok. Donc là, je fais mes tests en direct. On voit qu'on commence à être pas mal du tout. Mais par contre, que là, du coup, ça manque terriblement d'un flash de fond. On va aller remettre une bleue. Que je dois avoir là-dedans. Voilà, et donc là je vais me servir de flash pour colorer l'arrière de, de ma aile et le fond un petit peu, évidemment. Alors j'ai pas assez de porte-gélatine pour tous, donc je les bloque dedans. Euh, évidemment, encore une fois, ne faites pas ça si vous n'avez pas des lampes pilotes à LED. Bah, on va commencer à avoir quelque chose qui marche là. Ok, on y va. Lève un peu la tête. Et donc, encore une fois, on voit comment on peut, en quelques secondes, bah, en changeant les gélates, euh, et ben, avoir des ambiances radicalement différentes. Alors là, comme je vous le disais. Euh, le rouge, pour moi, ici, on commence déjà à perdre euh, du modelé, ça, ça se voit, on perd du, on perd du contraste, on perd. Euh, et c'est quelque chose qui, le rouge, a, a, pour moi, a beaucoup de. a beaucoup. Euh, gagne beaucoup quand on le sous-exe un peu. Encore une fois, ça n'engage que moi. Hein. Mais, euh, mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'aller chercher un peu, de, un peu dans la retouche, grâce à la souplesse du raw, un réglage qui va nous permettre de garder du grain de peau et de la saturation. Mais on parlera de ça. Euh, dans un prochain temps, mais je trouve que cette photo finalement euh, ne marche pas si mal et euh, je vous parlerai de tout ça euh, bah, dès, euh, dès mardi prochain. Il y a une question. Ah, euh, <laughs> ce n'est pas une question, euh, c'est une, euh, une information qu'on me donne dans l'oreillette sur l'écran d'en face. Euh, on a parlé de technique, je vous ai dit que ces marques étaient évidemment partenaires euh, de cet événement, donc x rite euh, dont on parlera beaucoup plus mardi parce qu'on va calibrer euh, l'écran BenQ et on va voir comment utiliser la charte qu'on a utilisée tout à l'heure, euh, x rite BenQ du coup et Profoto, euh, ces marques du coup euh, vont vous proposer des offres spéciales liées à cet événement que jusqu'au 8 avril euh, Hervé va vous mettre ça dans le chat plutôt que me l'écrire ici. Parce que, parce que je, vais, je vais me perdre sinon. Donc Hervé va vous écrire dans le chat les tenants et aboutissants de ces, euh, de ces offres. Euh, s'il y a des questions, euh, ça va être maintenant parce que. C'est bon C'est parfait. Voilà, on, on, on fait une petite session questions-réponses. Maël, tu peux me laisser la place de la star s'il te plaît. Tu as bien assez brillé aujourd'hui. et euh, Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser pendant que je range un petit peu euh, mon, tout mon studio. Et euh, sinon, je vous dis déjà qu'en gros, pour moi, c'était vraiment très chouette d'être avec vous, parce que j'adore parler, euh, parler photo avec, euh, avec des gens. Je préfère le faire en live, mais en ce moment, c'est très compliqué. Donc évidemment, bah, on, fait, euh, on fait ce qu'on peut et on, euh, on essaie de le faire du mieux qu'on peut. Euh, encore une fois, n'oubliez pas que, que tout ce que j'ai dit, bah, c'est ma vision euh, de la photo et que vous avez le droit de, de ne pas être d'accord. Vous avez même le droit de ne pas aimer mon travail. Euh, moi, je suis là pour vous parler de ma façon de faire les choses et je le fais avec la plus grande humilité. Euh, pour tous les gens, et ça a parlé beaucoup de flash-mètres et compagnie, je vais refaire un petit point là-dessus. Euh, quand je shoot dans le studio euh, de manière tout à fait classique, avec des éclairages qui n'ont pas de gélatine, j'utilise euh, un flashmètre et, euh, et avec en général ce que les gens appellent l'exposition à droite euh, ou l'optimisation d'exposition. Pour et gélatine, euh, quand je veux faire avec ma façon de faire habituelle, ça ne marche pas. Donc bah, je bidouille un petit peu parce que bah, je n'ai pas trouvé encore d'autres moyens de faire. Mais j'ai presque envie d'essayer de, de, de trouver une méthode selon quelle gélatine, comment mesurer tout ça. Mais je n'y suis pas encore. A euh, toi de me dire, Hervé, s'il y a quelques questions. Sinon, on va laisser, euh, on va laisser les gens. Il y en a plein, mais. Ah, c'est très gentil. aussi. Bravo et à bientôt pour la session retouche pour certains. Euh, Alors, vous m'entendez peut-être pas, mais Hervé est en train de me dire les, ouais. les re, différents retours. Donc, euh, Quelle est la taille du studio Quelle est la taille du studio euh, Qu'est-ce qu que tu conseillerais comme taille Alors, euh, pour moi déjà, juste à éteindre ce flash, c'est une très bonne question. Qu Qu'est-ce que je conseille comme, flash de, comme taille de studio J'ai envie de dire, si vous le louez, euh, euh, faites ce qui vous fait plaisir. Si vous devez vous construire un studio et si vous devez euh, en faire un chez vous, bah faites avec ce que vous avez. Euh, mon studio de tous les jours que j'utilise alors non pas pour des séances pro euh, mais que j'utilise pour tout ce qui est ma chaîne YouTube, euh, tous mes shoots perso, tous mes tests parce qu'il faut savoir que je shoot jusqu'à 3-4 fois par semaine euh, pour, pour, pour apprendre. Je, je ne cesse jamais d'essayer d'apprendre des choses. Euh, C'est une pièce de ma maison avec un plafond de 2 mètres 40 de haut. Et elle doit faire 3,50 m de large. Et du coup, euh, le studio idéal pour moi, ce serait 6 mètres de, de hauteur de plafond, un rail, des flashs partout, euh, 15 mètres de long. Mais en fait, le studio idéal, finalement, c'est celui qui vous permet de faire ce que vous pouvez faire. J'ai accepté chez moi euh, que je ne pouvais pas mettre des éclairages à 3 mètres de haut, et ben je fais des setups qui ne nécessitent pas ça. Donc quel est le studio idéal Celui que vous pouvez louer et, euh, et celui que vous pouvez vous permettre d'avoir. Après, si vraiment c'est de la location, ben un studio qui est adapté à votre projet. quoi. Quand même, il faut un peu de hauteur, il faut deux mètres, 3 mètres de hauteur, on est bien. Il faut ben, du recul, le recul c'est le plus important, plus que la largeur pour moi, parce que le recul va permettre de mettre les éclairages plus loin, de shooter plus loin du modèle. Souvent, les gens font des studios dans leur salon et en fait, ils choisissent leur focale par rapport euh, au recul qu'ils ont. Et c'est dommage de choisir une focale par rapport au recul qu'on a, alors qu'on doit choisir une focale par rapport au rendu qu'on veut, techniquement euh, je ne l'ai pas fait ici, j'aurais pu, surtout pour des artistes, je le fais très souvent. Il m'arrive très souvent de shooter aux 35 minutes en studio. Mais quand je fais ça, c'est un choix. Euh, ce n'est pas parce que je suis collé au mur. Euh, voilà, donc euh, c'est ma réponse, le studio qui, qui vous permet de faire les projets dont vous avez besoin. Il y a des studios qui, qui parfois sont beaucoup trop grands pour ce que j'en fais. Et il y a des fois où je suis un peu à l'étroit chez moi, mais, euh, mais je fais avec. Voilà. Pas mal de questions sur la, ton boîtier, dans quelle résolution tu shoot, les, les conditions. OK. Alors le boîtier que j'ai, je vais le prendre avec. Euh, c'est. Hop Non, je vais venir. Hein. Tu veux que je mette tout Dis-moi, hein, sois le chef. Je m'en mets là euh, Le boîtier que j'utilise actuellement, c'est un Nikon D850. Euh, c'est un plein format, euh, assez, euh, assez haut de gamme. C'est un plein format professionnel, même si ce mot ne veut strictement rien dire pour moi. Euh, c'est de la gamme pro, quoi. Euh, je l'adore. Je ne suis pas passé à l'hybride. Euh, pas encore. Euh, je serais... En fait, parce que ce boîtier me convient pleinement. Je ne suis pas trop du genre à, à me ruer sur les dernières nouveautés, bien que les hybrides commencent à faire un petit bout de temps que c'est sorti, euh, mais tant que ce boîtier m'apportera ce que je lui demande, euh, je ne lui demanderai pas de changer. Maintenant, il va se passer un moment où ce boîtier va me lâcher, euh, malheureusement, et peut-être que je passerai à l'hybride à ce moment-là. Donc, je shoot avec un icon D850, je shoot en RAW, évidemment. Euh, c'est dommage d'avoir un appareil réflexe euh, de cette qualité, ou même pas, et de ne pas shooter en RAW... Euh, il y a des moments précis où on peut shooter en RAW. Vous êtes reporter sportif, euh, vous êtes sur un événement où vous envoyez les, les photos en direct à quelqu'un qui va les rebalancer à, à de la presse. Shooter en JPEG, évidemment. Euh, y a... Mais euh, quand on fait de la retouche colorimétrique, du traitement et tout, c'est dommage de ne, pas, de ne pas shooter en RAW. Quoi. Voilà. On m'a demandé de faire un récap du matos, donc je l'envoie. Je tout préparé. Ouais, ok. Tout ce qui est Donc, il y, a, il y a un récap du matos qui a été demandé. Hervé vous fait, la, vous fait le, le lien par mail, enfin par dans le chat. Mais globalement, c'est très rapide. Hein. On avait euh, au niveau de mon matos un D850 avec un 70-1028. Au niveau des flashs pro photo, on a du euh, A10 avec les kits gélatine et grid, du B10, du B10 Plus. Et on a à l'arrière deux B1 qui, qui sont encore très fonctionnels chez moi et qui marchent beaucoup. Euh, au niveau de l'écran, on est sur du, AI, du BenQ 27, euh, 32, 32 pouces. 30, du BenQ, 32 pouces. Euh, on a au niveau de la charte, on avait une color checker, passeport photo 2. <laughs> Il y a beaucoup trop de noms. Ouais. Et, euh, et je n'ai rien oublié. Si on avait aussi ce, ce petit flashbender là que j'aime beaucoup. Voilà. Et euh, on n'en a pas parlé, mais euh, on va le faire pour la session retouche. On aura une sonde de calibration pour l'écran. Si je ne dis pas de bêtises, Hervé. Oui. Voilà, on est, on est tout bon. Tu me dis s'il y a encore des questions. Et euh, sinon, il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne fin d'après-midi. Merci euh, d'être avec nous. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas combien vous êtes, parce que je ne veux jamais savoir ça pendant que, que je suis en workshop. Mais. Euh, oui. Oui, mais je, je, ça me fait peur quand tu me dis ça. Et euh, je vous souhaite une très bonne fin de journée en espérant vous avoir appris quelque chose et euh, si vous saviez déjà tout, que vous avez passé au moins un bon moment. On remercie Maël, évidemment. On remercie, euh, on remercie France qui, qui a maquillé Maël. On remercie Hervé qui a fait le lien, qui a tout organisé. On remercie Gary qui a appuyé sur les boutons 1, 2 et 3 tel un chef opérateur de génie. Tu veux venir te revoir avec moi <laughs> Et voilà, donc Maël et moi, on se joint pour vous dire euh, ben, à très bientôt. On se voit mardi prochain pour euh, la session retouche de ce live. Et j'étais très ravi d'être parmi vous ce soir. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. <laughs>